Sur cette planète, chacun d'entre nous a un rêve. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour qu'il se réalise? Prenez Lewis, par exemple. Lewis, tu nous les clous sur place. C'est une façon de parler, hein. T'es gentil, tu ne tues personne. Toute sa vie, il a rêvé de retrouver la famille qu'il n'a jamais connue. Je sais qu'ils sont là. Mais certains rêves ne peuvent se réaliser seuls. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Au grand mot, les grands remèdes. Et ils peuvent vous emmener bien au-delà de ce que vous auriez imaginé. C'est quoi cet engin? On va où, là? En route vers le futur. Le premier voyageur du futur va découvrir un drôle de nouveau monde. Et une famille? Lewis, je te présente les Robinson. Tout aussi étonnante. Pourquoi il porte des lunettes, ton chien? Ah, parce que sa mutuelle ne rembourse pas les lentilles. Des grenouilles? Des grenouilles génétiquement agrandies. Pour rentrer chez lui, je dois trouver ma famille. Nous t'aiderons, mon garçon. Lewis va devoir faire face à un individu particulièrement diabolique. C'est quoi ce... Tu es maintenant sous mon contrôle. Je suis maintenant sous votre contrôle. Ne répète pas tout ce que je dis. Je ne répéterai pas tout ce que vous dites. C'est bien plus ardu que je ne l'avais imaginé. Walt Disney Pictures présente... Ma famille, si j'en ai une, j'aimerais qu'elle soit comme la vôtre. Tu dois retourner dans ton époque. Une aventure sidérale. Mon copain, je peux pas te prendre au sérieux avec ça sur la tête. Une famille délirante. Je crois que ma femme Lucille nous prépare des brioches. Chauffe-moi ces brioches, Lucille. Une comédie survitaminée. J'ai mes patchs de caféine. On reste éveillé des jours entiers sans aucun effet secondaire. Désolé. C'est parti vers le futur. Allez, Wesley, chope le gamin. Je t'ai dit de choper le gamin. Bienvenue chez les Robinson. Oh, relève ça, relève ça.